7 janvier 2009. Voilà, on franchit le Cap Horn, magnifique. Entre deux grains, petite éclaircie. Ah, c'est génial. Génial. Et voilà, Cap Horn derrière moi. Wouh! Excellent, excellent. Eh ben, que d'émotion pour arriver jusque là. Voilà, et là c'est super. Entre deux grains, une petite éclaircie. C'est bien organisé. Voilà, Britter est arrivé jusque là. Donc c'est déjà pas mal. Il va rester maintenant la remontée de l'Atlantique. Ça va pas être facile, mais on va essayer de s'accrocher et voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est sur la route du retour. Le sud, c'est derrière. Yes. Wouhou ! On a franchi le Cap Horn. On est le 7 janvier 2009 à bord de Britter. Les mers du sud sont derrière nous. Devant c'est l'Atlantique, derrière c'est le Pacifique. Voilà, Cap Horn juste derrière là-bas. Voilà, à bord de Britter, c'est cool, ça fait du bien. Et donc pour fêter ça, c'est mon premier Cap Horn. On va boire un petit coup de champagne. Pour remercier les océans de nous avoir laissé passer. Sans dommage. Bon bah santé hein, santé au Cap Horn. Allez, un petit coup pour le Pacifique. Voilà. Un petit coup pour Britter. Pour le bateau. Qui a tenu jusque là, super. Un petit coup pour l'équipage. Voilà. Santé au Cap Horn. On a encore quelques albatros qui nous accompagnent dans les derniers milles. Et puis eux ils vont rester dans leurs océans. Et nous, on va rentrer dans l'Atlantique. Ah, c'est génial, ça fait du bien de voir la Terre là. Ça fait maintenant. Je sais pas combien ça fait. Ça va faire presque 2 mois qu'on est parti des Sables d'Olonne. Et la dernière fois qu'on a vu la Terre, bah, c'était. Ouais, en fait, on n'a pas vu la Terre depuis les Sables d'Olonne. Ça fait 2 mois qu'on n'avait pas vu une Terre. Et ben, ça fait du bien.